Le favori tout en dehors de la voiture kazakh jaune qui a du gaz. Qui a beaucoup de gaz. Alors je le vois gagner. Allez, attention départ. C'est parti à l'instant dans cette huitième course du programme avec Kiral Derpion qui prend le meilleur départ et qui va être débordé par le numéro 5, Mia du Calvaire. En troisième position, il y a le 6, Jiwin Derpion avec Five Andarchi qui est dans le sillage de Jiwin Derpion. Il y a déjà une petite cassure pour retrouver Miracle Yonki qui est un peu pris de vitesse mais qui revient dans le sillage de Five Andarchi qui ne veut pas rester côté corde. Miracle Yonki, à l'arrière, il y a Highlight et Indian Forest. Mia du Calvaire, sans forcer, a pris le commandement. Il a beaucoup de vitesse de base dans son sillage, Kiral Derpion. Jiwin Derpion qui est en troisième position, le favori qui a pu se rabattre côté corde. Il vient sur un quatrième rideau, toujours en file indienne avec Miracle Yonki en cinquième position. Mia du Calvaire reste au commandement. Qui va venir oser attaquer maintenant, parce que c'est là que ça va se jouer peut-être avec Mia du Calvaire qui a l'avantage. Kiral Derpion va sans doute sortir dans quelques instants de son sillage. Pour l'instant, elle emprègne un bon train. Ensuite, on retrouve Jiwin Derpion, Faye Andarchi qui n'est que quatrième. Pas de wagon de deux, toujours avec Mira Kionki, Highlight et Indian Forest. À 800 mètres de l'arrivée, déjà l'allure est très régulière sous l'impulsion de Mia du Calvaire, Kiral Derpion qui profite de son inspiration. Troisième place pour Jiwin Derpion. Favian Darchi forme le wagon, la deuxième épaisseur. Il est imité dans sa progression par le numéro 2, Miracle Yonki. Ouais, la ligne d'en face, il y a beaucoup de rythme avec toujours Mia du Calvaire qui a l'avantage avec Kiral Derpion qui a le bon dos. Hein. Il aime courir caché, Kiral Derpion. On s'est faufilé dans la corde avec Jiwin Derpion. Favian Darchi attend toujours en quatrième position, mais dans le sillage maintenant de Kiral Derpion. L'animatrice qui va toujours très bien, Marc Guns en a plein les mains, il va falloir la loger maintenant. Kiral Derpion la rejoint dans quelques instants. Jiwin Derpion a gagné un rang côté corde puisque Kiral Derpion s'est décalé. On vient des ressources avec numéro 7, Favian Darchi qui a le très bon parcours, suivi par Miracle Yonki. Ouais, attention à Miracle Yonki hein, qui sait finir ses courses. Le tournant final avec le numéro 5, Mia du Calvaire qui crée une énorme surprise pour l'instant. Elle a l'avantage depuis le départ en deuxième position. Il y a à l'extérieur le numéro 4, Kiral Derpion qui est franchement sollicité. Maintenant Favian Darchi qui vient à l'extérieur, le numéro droite. Mia du Calvaire a toujours l'avantage. Favian Darchi est lancé à sa poursuite avec entre les deux Kiral Derpion. On est malheureux le long d'accord avec le numéro 6, Mia du Calvaire qui a peut-être créer une énorme surprise dans cette épreuve. Mia du Calvaire de bout en bout, Faye Andarchi finit fort à l'extérieur. Mia du Calvaire qui va sans doute s'imposer de bout en bout dans cette épreuve. Faye Andarchi finit fort. Faye Andarchi à la fin peut-être. Le 7 devant le 2 et le 5. C'est très serré pour la victoire avec Mia du Calvaire qui a peut-être résisté à Favian Darchi, mais il a sans doute mis un dernier coup de rein fatal, Favian Darchi, sur le poteau.